Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Studio Lacan, une édition spéciale consacrée à la guerre en Ukraine et pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Stéphane Audouin-Rouzeau. Stéphane Audouin-Rouzeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales, historien, spécialiste de la Grande Guerre. Mais ce n'est pas sur ce sujet qu'on va discuter avec vous ce soir, plutôt sur un autre fait guerrier qui est celui donc de cette guerre en Ukraine. Et par ailleurs, le sujet de vos recherches, outre la Grande Guerre, c'est quand même la violence de guerre, le fait guerrier. Vous avez fait paraître un ouvrage par ailleurs sur la guerre au Rwanda, une anthropologie aussi de la guerre et du phénomène guerrier 19e, 21e siècle. Et c'est la raison pour laquelle on voulait essayer de revenir avec vous sur la question finalement de ce retour de la guerre en Europe, une question que vous avez abordée dans un récent entretien de Mediapart qui a attiré notre attention. Et voilà, donc on est heureux de vous accueillir. Et nous lançons la discussion. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Dans l'entretien que Déborah vient d'évoquer à Mediapart, vous faites valoir la surprise qu'a été pour nous le déclenchement de cette guerre. Vous parlez d'un déni de la guerre, d'un déni de la réalité. Vous prenez même un thème freudien, l'illusion de l'immortalité. Donc, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette distinction ? Oui, si vous voulez. Alors, je suis pas, moi, je ne travaille pas dans les disciplines de la psyché, même si elles m'intéressent. Donc, peut-être cette idée d'illusion d'immortalité est un peu aventurée, disons, hein, ou elle pourrait paraître un peu aventurée. Il me semble néanmoins qu'il s'est passé quelque chose du même ordre, tout de même. Une puissance militaire considérable, la Russie avait groupé plus de 150 000 hommes. Pendant des mois, autour des frontières de l'Ukraine, l'encerclant par le nord et par l'est. Est-ce qu'on pensait réellement que ces troupes étaient là uniquement pour un bluff, pour une manœuvre, et est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire une telle masse d'hommes réunis sans qu'ils soient ensuite lancés à l'assaut? Je reste aujourd'hui stupéfait, moi qui ai cru dès le départ que la Russie attaquerait, sans beaucoup d'informations, c'est évidemment, je suis un simple chercheur, j'ai été stupéfait, je reste stupéfait, même en colère, de voir que que les chancelleries, d'une part, occidentales, les spécialistes de la région, les chercheurs les plus renommés en géopolitique, en relations internationales, ont tous dit que la Russie n'attaquerait pas. C'est là que m'est venue cette idée d'un déni de réalité, hein, l'idée m'est venue aussi de cette idée d'illusion d'immortalité. C'est-à-dire que chacun sait de quoi il s'agit. Consciemment, nous savons que nous sommes tous mortels et que nous allons tous mourir. Mais inconsciemment, nous pensons, si l'on peut dire, hein, nous espérons, disons, pouvoir y échapper. Il me semble que c'est quelque chose de cet ordre qui s'est joué dans cette crise internationale. Nous avions tous les moyens de savoir au moins que la Russie allait attaquer. Les États-Unis, d'ailleurs, nous l'ont dit avec une grande netteté. Et nous avons voulu qu'elle n'attaque pas. Et voulant qu'elle n'attaque pas, nous avons tourné le dos au réel de la guerre. Et ça, c'est une faute impardonnable. C'est pas seulement une erreur de prévision. Non, c'est une faute impardonnable.
Comment vous expliquez une telle lâcheté morale ou en tout cas un tel refus de voir ? Il me paraît, c'est assez, je crois, simple à expliquer. En Europe en particulier, nos générations, la mienne en particulier, eh bien, ce sont les générations de ce que j'appelle la déprise de la guerre. Hein, depuis 1945, pour la guerre en Europe, depuis au moins 1962, hein, puisque c'est qui marque la fin de la guerre d'Algérie pour la France, une déprise de la guerre. Et le lien générationnel, au fond, avec le fait guerrier, s'est dénoué. Et nous avons débouché sur une véritable eschatologie d'un monde sans guerre. Une eschatologie d'un monde dans lequel, en tout cas d'une Europe, au sein de laquelle le recours à la guerre comme moyen de trancher les différends entre les États, ce recours, au fond, sera désormais nul et non avenu. Ce qui rejoint, si on y réfléchit, le vieux rêve des pacifistes européens du 19e siècle. Non seulement, bien entendu, les socialistes et les syndicalistes, mais aussi les pacifistes libéraux, mais également catholiques et protestants, voire scientifiques et féministes. Mais c'est un rêve. Comment est-ce qu'on a pu, nous, au début du XXIe siècle, donner de nouveau dans ce rêve, après qu'il ait été brisé à plusieurs reprises au XXe siècle, avec la Première Guerre mondiale et la Deuxième, pour ne parler que des dernières catastrophes qui ont touché nos sociétés de la manière la plus directe. Et là où je suis vraiment assez en colère, c'est qu'au fond, ceci a eu cette erreur, qui n'est pas seulement une erreur des experts, des universitaires, de chacun d'entre nous, à la limite, ou une erreur des chancelleries, a fait que notre dissuasion n'a pas fonctionné vis-à-vis de la Russie dans les mois qui ont précédé l'attaque du 24 février, que nous n'avons pas armé l'Ukraine comme nous aurions pu ou dû le faire lorsqu'il en était temps. Donc, en fait, pour un historien, je dirais que nous étions dans une forme d'appeasement sans nous en rendre compte, sans l'avoir théorisé. Et ça, c'est évidemment c'est l'appeasement, c'est-à-dire cette politique d'apaisement vis-à-vis du nazisme dans les années 30, mais au moins l'appeasement était théorisé. Là, nous ne l'avons pas théorisé. Nous étions dans cet appeasement et nous sommes réveillés, stupéfaits, le 24 février au matin. Donc manifestement, vous n'avez pas été surpris. Alors, vous dites que nous étions surpris, en tout cas que l'Europe a été surprise. Peut-être c'est parce qu'on considère que la guerre n'est qu'un accident. C'est-à-dire que, je dis ça parce que dans votre entretien à Mediapart, vous parlez du politique, disant que tant qu'il y aura du politique, il y aura de la guerre. Ça résonne pour nous parce que c'est une prise de position très freudienne qui disait finalement Freud que tant qu'il y aura une civilisation, il y aura une guerre. La guerre n'est pas un accident. Je n'avais pas pensé que cette citation pouvait être freudienne, parce que je connais évidemment moins bien Freud que vous. C'était plutôt, pour moi, vraiment une réflexion de politiste et d'historien. C'est Machiavel qui, le premier, établit le lien insécable entre la guerre et le politique. La guerre comme moyen politique au service du prince. Et puis c'est bien sûr Clausewitz qui le théorise dans ce qu'on appelle la formule, avec un F majuscule, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens ou, selon d'autres traductions, avec d'autres moyens. Le problème, c'est que la guerre n'est pas que cela. N'est pas que cela, il y a aussi une dimension anthropologique dans la guerre, il y a aussi une dimension culturelle, elle n'est pas qu'un phénomène politique, mais à la racine, elle est d'abord un phénomène politique, et je ne crois pas qu'on puisse supprimer le politique des sociétés humaines, et donc l'idée d'une suppression de la guerre, qui ne serait qu'effectivement qu'un accident fâcheux, qui serait finalement facile d'éviter, mais c'est une idée tout simplement absurde. Et ça, c'est ce que j'appelle l'inconscience. Je suis un grand ennemi de l'inconscience. Il y a une autre absurdité que vous chassez également, c'est celle qui a fait dire à nombre d'experts que vous évoquiez tout à l'heure que la guerre n'aurait pas lieu parce qu'elle était un mauvais calcul, comme si la guerre pouvait être autre chose qu'une autodestruction. Oui, ça c'est vous avez raison, ça m'a beaucoup frappé en tant qu'historien de la Première Guerre mondiale. Ça résonne tout de suite pour un historien de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que avant 1914, de tas de grands esprits, avec des arguments apparemment
imparable, vous expliquait que une guerre entre grandes puissances industrielles modernes aurait un coût tellement démesuré que la guerre elle-même devient absurde et donc qu'elle ne devrait pas, évidemment, avoir lieu. Hein. L'irrationalité de la guerre. Le problème, c'est que la guerre est un phénomène social, politique, culturel, anthropologique, qui obéit à une autre rationalité que celle des sociétés à haut niveau de pacification comme les nôtres. Je prends une citation de Norbert Elias qui va parler pour nos sociétés européennes de sociétés à haut niveau de pacification. Ah oui, les sociétés à haut niveau de pacification ont une rationalité et puis une société en guerre en a une autre. Parce que le temps de la paix n'est pas le temps de la guerre. Il faut en revenir à la question du temps. Nous voyons le temps, souvent, on ne s'intéresse pas au temps. Le temps passe, donc il n'y a rien à en dire. Mais il y a beaucoup à en dire, au contraire. Hein. Et puis le temps, c'est la matière première des historiens. Souvent, nous imaginons que le temps est linéaire. Le temps n'est pas du tout linéaire. Il y a un temps des sociétés à haut niveau de pacification. Quand la guerre est là, un autre temps survient dans lequel entrent les acteurs sociaux qui très souvent ne se reconnaissent plus eux-mêmes, ne reconnaissent plus leurs actes, leur manière de penser, etc. On le voit bien pour l'Ukraine aujourd'hui. Et ce décrochage du temps fait toute la différence, et le fait que dans ce temps autre de la guerre, la rationalité également est autre. Hein, ce qui paraissait totalement irrationnel en temps de paix devient parfaitement rationnel en temps de guerre, comme par exemple de raser entièrement une ville. Alors, oui, et donc cette introduction dans un temps nouveau, est-ce que c'est lié à ce concept que vous, je pense que vous avez, même vous-même, vous faites partie en tout cas des gens qui ont élaboré le consentement à la guerre, ou le consentement patriotique? Alors le consentement, oui, c'est cette question du consentement, c'est une chose qui a beaucoup divisé les historiens de la Première Guerre mondiale, en particulier depuis, les années 2000, avant que la controverse s'éteigne. Après, il a fallu une quinzaine d'années pour cela. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que cette question du consentement ne se sépare jamais ou jamais complètement de la question de la contrainte. Il y a toujours de la contrainte. Par exemple, aujourd'hui, il y a de toute évidence, on ne peut pas le nier, un consentement des Ukrainiens au combat. On le voit, c'est extraordinairement impressionnant, mais aussi une part de contrainte. Les Ukrainiens, les hommes n'ont pas le droit, normalement, entre 18 et 60 ans, de quitter le pays parce qu'ils sont tout simplement mobilisables. Donc il y a une part de contrainte et il y a une tension entre ces deux notions. Moi, ce qui me frappe énormément, c'est que il y a eu cette. Il est très difficile pour nos sociétés à haut niveau de pacification comme les nôtres d'imaginer ce qu'est le consentement d'une société à la guerre, à sa violence, à ses pertes, à son deuil, etc. C'est un arrachement. Rétrospectivement aussi. C'est-à-dire qu'on voit les sociétés européennes de 14-18, on se dit, mais ce consentement n'est pas possible. C'est pas possible. On a du mal à l'admettre. Et là, nous avons devant les yeux, c'est une leçon d'histoire en temps réel absolument stupéfiante, nous avons devant les yeux une société, la société donc ukrainienne, qui consent massivement à la guerre. Voilà. Pour moi, l'Ukraine aujourd'hui me fait penser... Mais... à la Belgique de l'été 14, si vous voulez, au Royaume-Uni de l'été 14 ou à la France de l'été 14. C'est quelque chose qu'il est sans doute très difficile de retracer complètement, rétrospectivement, quand on ne l'a pas vécu, en fait. Mais ce consentement, il dépend certainement de certaines conditions, parce qu'il semblerait que si ce consentement, on le perçoit du côté ukrainien, on ne le perçoit pas du côté russe. C'est-à-dire, ce qui se perçoit, malgré les tentatives de réprimer la chose... c'est qu'il y a, d'une part, une certaine opposition à la guerre, une certaine, et puis que les soldats ne sont pas motivés de la même façon. Je reprends, en fait, une partie de votre question précédente pour répondre à celle-ci. C'est que nous sommes, je crois, dans le cas de l'Ukraine, confrontés à un patriotisme défensif, d'une vigueur extrême, qui est un des grands ressorts de la guerre interétatique. Nous sommes devant un cas de guerre interétatique avec
invasion d'un territoire, prise de ville, mort de civils sous les bombardements, etc. Et nous sommes dans un schéma où ce patriotisme défensif se manifeste avec une force immense, exactement comme il s'est manifesté avec une force immense dans la Russie de juin 1941. La Pologne de 1939, où l'armée a été vaincue, mais s'est battue admirablement, avec les moyens qu'elle avait. Et de la même manière, en 1914, où les Français, les Belges, se sentent à juste titre attaqués. Et là, le sentiment défensif emporte tout sur son passage. Et en particulier, emporte l'internationalisme. La volonté de résister à la guerre, de l'empêcher éventuellement, etc. Tout ça est balayé en quelques minutes ou en quelques heures. C'est ça qui se joue. Et donc, il se joue, en fait, dans cette guerre, et pour un historien des conflits du premier XXe siècle, c'est une expérience à la fois, j'ose pas dire passionnante, parce que, vous voyez, mais en tout cas bouleversante, où d'un seul coup, je suis rattrapé par mes objets de recherche. C'est pas le même espace. Là, on est vraiment dans les terres de sang de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas la même configuration, c'est pas la même période, mais quelque chose d'essentiel se joue sur le plan du consentement, sur le plan du patriotisme défensif. C'est, je trouve, une grande leçon, évidemment pour nous tous comme citoyens, mais c'est aussi une grande leçon de sciences sociales et d'histoire. Alors, il y a ce consentement, et il y a aussi, si on peut essayer peut-être d'ajuster la question du consentement et du refus à celui de la temporalité, le consentement fait basculer ou prend acte d'une bascule du temps dans le temps de la guerre, et sans doute que c'est peut-être cette prise de conscience à un moment donné du fait qu'on ne peut plus nier qu'on est sorti d'un certain temps et qu'on est arrivé dans un autre temps, et là il y a consentement, alors que le retard d'une certaine façon peut-être des Européens à comprendre ou à consentir justement à au fait que la guerre était là, fait qu'il y a un retard, on est en retard. C'est pas facile de passer d'un temps dans un autre. Pendant la Grande Guerre, ça s'est joué en quelques heures. En France, lors du 1er août 1914, pour les Ukrainiens, ça s'est joué aussi en quelques heures, dans la nuit ou au petit matin du 24 février. Ce passage d'un temps dans un autre ne se fait pas aisément. Et il y a un indice qui nous le dit, j'essaye de lire le plus possible ce que disent les acteurs sociaux, et en particulier les Ukrainiens, soit interrogés sur place, soit réfugiés. J'ai retrouvé une phrase très forte, alors qu'ils subissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes là avec vos enfants, une femme, une simple valise, vous passez la frontière polonaise à pied, enfin, vous vous rendez compte du choc que ça peut représenter. Et j'en dis, j'ai beau vivre tout ça, pour moi, ça n'est pas réel. Ça n'est pas réel. C'est une phrase qu'on voit très souvent, où ça me paraît irréel. Je ne suis pas sûr que ça soit en train de m'arriver. Donc ce hors du temps, c'est presque un hors-temps. Ils sont entre un temps et un autre. Il me semble que c'est le type de phrase qui nous indique qu'ils n'ont pas entièrement quitté le temps de paix. D'ailleurs, on voit, ils montrent les photos de la maison qui est désormais détruite, telle qu'elle était avant, telle qu'elle est maintenant, et comme s'il fallait se convaincre qu'on a basculé d'un temps dans un autre. Et pour comprendre cette notion du consentement, et je me reproche moi comme historien de ne pas l'avoir dit suffisamment à l'époque où j'essayais de développer cette question, on aurait dû, les gens qui travaillent avec moi, Anne Becker, par exemple, les gens autour du centre de recherche de l'histoire de la Grande Guerre de Péronne, davantage travailler cette notion du temps. Ce qui explique le consentement, c'est le temps autre. Et c'est aussi ce temps autre qui fait que, à la sortie de la guerre, certains ne pourront jamais ressortir du temps de la guerre. Toute une partie des fascistes, des nazis, etc. sont des gens qui ne sont pas sortis du temps de la guerre. Et puis d'autres en sortent et parfois se retournent en disant « Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pensé? Pourquoi j'ai accepté ?» Voilà, c'est là qu'on voit à quel point la question de la temporalité, c'est-à-dire pas du temps objectif, on s'en moque ici du temps objectif, c'est le temps subjectivé qui nous convient. Ça rejoint la question du sentiment d'immortalité. Mais absolument. Ce refus de prendre acte
d'une bascule dans un autre temps. Exactement, c'est exactement ça. Je pense que c'est tout à fait cohérent avec cela. Alors, peut-être il y avait une question qui nous tenait à cœur de vous poser par rapport à cette modalité de la guerre à laquelle on a affaire. On a une superposition, finalement, toujours entre les formes de guerre anciennes et les formes de guerre nouvelles. Moi, j'ai été frappée quand à la fois de cette dissuasion nucléaire qui semblait un peu brinque-ballante tout d'un coup, et puis, après, surgissement des armes hypersoniques, invincibles, invisibles, où tout d'un coup, avant que les experts commencent à dire que c'est de la poudre aux yeux, tout d'un coup, on a l'impression qu'on a basculé dans une guerre du futur, quelque chose un peu de cet ordre-là. Et finalement, il y a quand même aussi, au fond, quand on continue à regarder la guerre telle qu'elle se déroule, une forme très traditionnelle de la guerre, avec un corps à corps des hommes, avec quelque chose dont la guerre ne se départit pas, qui est cette forme très, très ancienne de combat, enfin, même si elle a changé au cours de l'histoire. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus ? Oui, je trouve que la question est très intéressante et très justifiée. En fait, elle porte sur la question de la configuration. Quelle est la configuration à laquelle, en sciences sociales, c'est un point toujours essentiel. Quelle est la configuration que nous avons devant nous? Et là aussi, on peut peut-être faire référence un instant à Clausewitz, qui dit, il y a une très belle citation de Clausewitz, extrêmement simple, qui dit « La guerre est un caméléon ». Sa capacité de transformation, sa plasticité est extraordinaire. C'est aussi pour cela que parfois elle déjoue tous nos pronostics. Et là, c'est tout à fait le cas. Il y a une dimension, effectivement, on pourrait dire traditionnelle. Si on fait l'inventaire, il me semble que ce qui est très important, c'est évidemment la puissance de feu, le bombardement. L'armée russe est une armée donc qui traditionnellement dispose d'une artillerie très puissante qui l'utilise. Et la question cette question du bombardement, qui est vraiment le marqueur de la guerre moderne. À partir, disons, de la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Donc ça c'est vraiment... Tout le monde se souvient de la grosse Bertha. Voilà, et puis la Première Guerre mondiale, voilà, qui est 70-80% des pertes de la Première Guerre mondiale sont infligées par le canon. Et là, ce rôle du canon, ou des Katyushka russes, ouais, c'est la même chose. Bien sûr, donc l'artillerie, les chars, l'importance des blindés, ces blindés qui émergent avec la Première Guerre mondiale et qui deviennent opérationnels à partir de 1918. Le rôle des blindés, bien sûr, le rôle crucial de la logistique. On voit ici comment les failles logistiques ont été ont handicapé le corps de bataille russe. Et puis, bien entendu, et vous avez raison de le souligner, le fait que la guerre repose en dernière instance sur les combattants, et en particulier sur les fantassins. Et là où les pertes sont extraordinairement lourdes, c'est là, donc la mort, la blessure, la proportion entre le nombre de morts et le nombre de blessés, qui est assez proche, au fond de la Deuxième Guerre mondiale, si on regarde les chiffres officiels russes, ce qui montre d'ailleurs le déficit de la chaîne de soins russe actuellement. Et puis il y a évidemment dans cette configuration le nouveau. Comme très souvent en histoire, l'ancien, le nouveau. Le nouveau, c'est évidemment le fait que la bataille se concentre dans les villes. Ça, c'est une chose qu'on avait observée depuis un certain temps, le fait que les villes qui égalisent les conditions de combat à l'adversaire et permettent à celui qui est en situation d'infériorité de compenser cette infériorité. La guerre tend aujourd'hui à être une guerre urbaine, comme l'a montré le proche Moyen-Orient, Alep, Mossoul, le Raqqa, mais aussi Grozny auparavant. Donc ça, c'est évidemment... Il n'y a pas eu deux corps de bataille qui se sont rencontrés en race campagne. Ce n'est pas la campagne de Pologne, de 1939, ni la campagne de France de mai-juin 40, c'est donc une bataille donc urbaine. Il y a aussi bien sûr le rôle des drones, qui évidemment là est très très neuf, très nouveau. Ces missiles hypersoniques, qui sont pour des charges classiques sans doute effectivement inutiles, peut-être, mais en revanche en cas de transport d'une arme atomique, là, on en parlerait différemment. Et puis, bien sûr, le rôle de la cyberguerre. Le rôle de la cyberguerre qui est là extrêmement neuf. Et donc, on a ce mélange d'anciens et de nouveaux qui ne surprend pas un historien parce que c'est toujours comme ça. Tout événement est toujours en transition.
hein, en transition. Il n'est jamais complètement neuf, jamais complètement traditionnel. Et c'est ça, me semble-t-il, que personnellement, en historien de la guerre, je vois, hein, c'est cette hybridation, hein, entre l'ancien et le nouveau. Hein, et j'essaye d'y prêter évidemment le plus d'attention possible, en dépit du fait que les moyens qu'on a d'enquête, hein, quand on est un simple chercheur, ces moyens d'enquête, pour l'instant, sont très faibles. Alors peut-être, peut-être une avant-dernière question, parce que je vois que Déborah a encore une question. Vous évoquez à propos de la mobilisation de la société ukrainienne, l'union sacrée. Donc à partir de là, ma question serait, est-ce que la guerre forge un peuple? Et si on va un peu plus loin, est-ce que cette guerre-ci va conduire à une Europe nouvelle? Et quelle Europe? Pour la deuxième partie de votre question, je ne saurais pas répondre parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, l'histoire, enfin la discipline historique, a une capacité prévisionnelle égale à zéro. Donc il faut faire très attention, beaucoup d'experts se sont trompés, je le disais tout à l'heure, c'est pas le moment de rajouter des prévisions, je crois, qui ont toutes les chances d'être démenties parce que le champ des possibles est trop... On voit déjà que les pays d'Europe pensent à se réarmer. Oui, bien sûr, le réarmement européen est certain, oui. Le réarmement allemand qui est spectaculaire en particulier. En revanche, est-ce que la guerre forge un peuple? Ça, je le dirais pas de cette manière-là, hein, qui est une manière littéraire, presque un peu lyrique. Hein. Ce que je dirais, avec un vocabulaire qui sera le mien, ce que je dirais plutôt, c'est que la guerre est l'épreuve collective la plus importante que puisse traverser une société et que puisse traverser ses acteurs sociaux. Il n'y en a pas de plus importante. Et même quelques jours de guerre, même une expérience limitée de guerre, est inoubliable pour le restant de sa vie. Elle est inoubliable donc pour les individus, hein, mais elle est inoubliable aussi pour la société elle-même. Hein. C'est pour cela que la guerre et son souvenir historique, en quelque sorte, se transmet à une capacité de transmission inouïe dans le long terme. Hein, la deuxième, la troisième génération, hein, ces syndromes de troisième génération, hein, que les disciplines de la psyché ont bien repéré, la guerre est inoubliable. Et c'est en ça qu'elle est tellement importante, et c'est en ça que nous on devrait. C'est comme un trauma fondateur. Oui, on dirait ça. Absolument. On pourrait dire les choses de cette manière, parce que voilà, elle transgresse toutes nos normes, hein, de société pacifiée, et ceci ne peut pas être oublié. Hein, ceci ne peut pas être oublié. On pourrait dire ceci ne peut pas être pardonné, mais ça n'ajoute rien, hein, au fait que ça n'ajoute rien au fait que la guerre est un phénomène récurrent, hein, qu'on peut chercher à écarter, à limiter, bien sûr, à endiguer, etc., à mettre entre parenthèses le plus longtemps possible. Mais l'idée d'une éradication définitive de la guerre est absolument hors de notre portée. Et c'est même coupable de le penser, si on vous suit. Oui, oui, parce que ceci confine à l'inconscience. C'est ainsi que finalement, les générations comme la mienne, hein, donc grandies dans les années 50, 60, 70, au fond, ont oublié ce que des générations précédentes savaient. C'est-à-dire qu'à chaque génération, on savait que la rencontre avec la guerre était au fond à l'horizon d'attente. Ça, nous l'avons oublié. Nous avons pensé que la guerre ne pouvait plus nous toucher. Et puis, nous avons rompu, hein, notre lien avec le port des armes, hein, qui était lié tout de même à la citoyenneté française en particulier. Hein, ici, mais ça concerne aussi d'autres pays européens. Et ceci ne favorise pas, au fond, enfin, il me semble, en tant qu'historien, en tant que chercheur en sciences sociales, qu'il faut regarder le réel avec les yeux grands ouverts, bien en face, y compris dans sa dimension la plus tragique, et surtout dans sa dimension la plus tragique. C'est quand même la meilleure manière de s'en protéger d'une manière ou d'une autre. Et nous avons failli, me semble-t-il, de ce point de vue en Europe occidentale. Et je dois dire que je suis triste, hein, de cette faillite aujourd'hui. Bon, peut-être qu'on peut s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Stéphane-Audouin Rouzeau, d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Oui, donc merci beaucoup, Stéphane-Audouin Rouzeau. Nous arrivons donc à la fin de cette émission
l'édition spéciale de Studio Lacan pour la guerre d'Ukraine. Nous vous disons à bientôt. Mm.